Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi de 20h à 21h pour votre émission Santé 10. Ce soir, l'émission sera particulière puisqu'elle sera coupée en deux parties. Donc la première partie jusqu'à 20h30, on sera avec des psychologues puisque nous allons parler de ce fameux dispositif Mon Psy. Et puis, en deuxième partie, nous allons retrouver Madame Keita et Madame Brard pour nous parler de cette journée mondiale des sages-femmes. Et oui, aujourd'hui, c'était aujourd'hui ce magnifique programme toute la journée. Et donc, on va en faire, en deuxième partie d'émission, un petit bilan sur cette belle et grande journée. Mais surtout, dans un premier temps, parlons de ce dispositif Mon Psy avec nos invités. Le dispositif Mon Psy, on en parle ce soir avec Karine Bayeux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation, vous êtes psychologue. Juste à côté de vous, on va saluer Laurent Saint-Saud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association des psychologues de la Guadeloupe. Tout à fait. Et un homme parmi toutes ces dames, c'est Jonathan Lacavé. Bonsoir. Bonsoir Jonathan. Bonsoir, bonsoir Madame Zabarel, bonsoir à la Guadeloupe. On rappelle que Jonathan est aussi psychologue. Eh bien, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Hein. La thématique de cette émission ce soir, c'est le fameux dispositif Mon Psy. Alors, vous êtes tous les trois du métier, donc il n'y a pas de problème. Je pose les questions et puis vous répondez et vous vous complétez sans souci. La première question, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le dispositif, qu'est-ce que c'est que le dispositif Mon Psy ? Alors, le dispositif déjà a été préparé, présenté suite au Ségur de la Santé qui avait eu lieu en juillet. C'était un des points, le remboursement des psychologues, c'était une des questions que le gouvernement avait voulu faire porter un petit peu sur le devant de la scène. Donc il y a eu des discussions avec les organisations, bien sûr des psychologues, non sans heurts, hein, parce que ça n'a pas été simple et il y a eu des mouvements aussi. Et puis, un décret a été sorti, enfin une loi d'abord, dans le loi du financement de la sécurité sociale qui est sorti au mois de décembre 2021, a donc précisé le contour du remboursement des psychologues libéraux. Puis il y a eu le décret dans le premier trimestre 2022. Alors, qui peut accéder au remboursement de ces consultations exactement? Alors, officiellement, c'est toute personne qui a plus de 3 ans. C'est ce qui est martelé dans les médias. Au fond, concrètement, il y a des critères d'inclusion et des critères d'exclusion. D'abord, il faut comprendre que pour profiter de ce dispositif, il faut voir son médecin. Ce qui n'est pas le cas en général pour aller voir un psychologue. On peut aller directement chez son psychologue. Donc d'abord, il faut demander l'autorisation à son médecin généraliste pour rentrer dans ce dispositif. C'est le médecin généraliste qui enclenche la démarche. Après, il y a de nombreux critères d'exclusion qui font que finalement, les patients ne peuvent pas entrer dans ce dispositif. On peut en citer Oui. Alors, déjà, il faut bien comprendre que c'est un dispositif qui s'intéresse aux troubles légers. Troubles psychologiques légers. Donc, ça veut dire s'il y a une anxiété forte, les patients ne peuvent pas entrer dans ces dispositifs. Donc, ça veut dire que c'est le médecin qui doit faire l'évaluation psychologique. Il faut qu'il y ait un trouble anxieux léger. S'il est anxieux, s'il est élevé, il ne peut pas entrer dans le dispositif. Pareil pour la dépression. Pareil pour la boulimie. Si un patient a une boulimie, il ne peut pas rentrer. Pareil pour un deuil compliqué. Si la personne présente un deuil compliqué, il ne peut pas rentrer. Continuons encore avec les anxiolytiques. Si un patient consomme des anxiolytiques, il ne peut pas rentrer dans ce dispositif. Rappelons quand même que la France est le premier consommateur d'anxiolytiques en Europe. Et d'antidépresseurs. Et d'antidépresseurs. Ce n'est pas que ces psychotropes en général. On peut continuer la liste. Oui, c'est-à-dire qu'on a bien compris que la liste, elle est bien longue. On ne va pas tout citer, mais enfin, c'était pour quand même montrer l'importance de bien ce qu'on va dire juste après. C'est ça. Clairement.
Comment ça fonctionne? Donc, une fois que la personne a pu être orientée, alors adressée, normalement, ce n'est pas une orientation, ce n'est pas une prescription médicale, c'est censé être un adressage. Dans le décret, c'est bien précisé comme ça. Le médecin adresse un courrier à un psychologue en disant, cher, alors, pas confrère, mais presque, comme les confrères, les consoeurs, voilà, telle personne. Le psychologue donc fait une première séance de bilan, d'évaluation, vérifie que la personne rentre bien dans les critères du dispositif. Et s'il accepte d'accueillir la personne, il va ensuite proposer 7 séances de suivi. Il y a donc la première séance de bilan plus 7 séances de suivi qui seront remboursées sur 1 an. D'accord ? Voilà un petit peu pour le cadre, comment ça se passe. Ensuite, à l'issue des 7 séances, le psychologue se concerte avec le médecin, fait un point sur évalue l'évolution du patient. Mm-hmm. Le patient aussi, on peut dire son mot bien sûr à son médecin, fait un retour. Et si la personne a toujours besoin de consultation, mais reste toujours dans les critères d'inclusion, il peut avoir à nouveau 8 séances de programmées pour l'année suivante. Par contre, si la personne, en cours de route, en cours de session, on va dire, a une majoration des troubles, par exemple, imaginons que la personne, elle vit un deuil un peu difficile, elle veut consulter un psychologue, et puis elle n'a pas terminé avec son deuil, que finalement elle perd son travail ou qu'il y a des problèmes de tension dans le couple. Et que tout d'un coup, ça ne suffit pas tout à fait et elle a quand même besoin d'être un petit peu plus aidée. Sachant que le psychologue a les compétences habituellement pour accompagner les personnes, même lorsque les personnes se font aussi accompagner par des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Mais là, du coup, elle pourra... Normalement, si on suit le décret, elle doit quitter le dispositif avec le psychologue parce qu'elle ne rentre plus dans les critères. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui, en théorie, en tout cas, vient aussi compliquer la donne. Mais voilà, c'est pour présenter un petit peu le dispositif. Alors, Laurence Sainceau, vous êtes présidente de l'Association des psychologues de la Guadeloupe. Aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège de vous avoir tous les trois sur le plateau. On ne pouvait pas tous les avoir, les psychologues de Guadeloupe, mais vous les avez quasiment tous rencontrés. Comment vous avez ressenti vos collègues psy sur ce dispositif? Alors, qu'avez-vous eu comme retour? Est-ce que c'est plus ou moins mitigé? Certains sont pour, d'autres moins. Comment sentez-vous la petite équipe? Alors, en parlant de petite équipe, justement, le sentiment des psychologues de Guadeloupe a déjà pu être perçu pendant les manifestations qu'il y a eu l'année dernière. Donc, il y a eu de nombreuses mobilisations nationales qui ont été suivies sur le plan local et qui ont dépassé les psychologues qui adhèrent à l'association. Donc, il y avait quand même... beaucoup de psychologues qui se sont mobilisés, je n'ai pas le chiffre en tête, mais les psychologues de Guadeloupe se sont mobilisés. Plus d'une quarantaine. Plus d'une quarantaine, merci. Ont été manifestés dans les rues des Abîmes pour faire savoir à la population, se faire entendre sur les limites que présente ce dispositif. Et l'autre élément important qu'on a par rapport à l'adhésion des psychologues à ce dispositif, c'est le nombre de psychologues. Hein. On a une liste d'à peu près 300 psychologues en Guadeloupe. Environ. Oui, entre 250. Voilà. Et il y a actuellement 4 psychologues qui adhèrent au dispositif. Donc, on peut palper, en fait, le sentiment des psychologues à travers ces chiffres-là, qui montrent bien que la profession se mobilise largement contre en n'adhérant pas au dispositif. Alors, la question, hein, la transition est toute faite pour cette question que je vous pose à vous trois. Pourquoi les psychologues sont contre le dispositif? Il faut le répéter et le dire pour que tout un chacun puisse entendre et comprendre. Commençons par l'entrée dans ce dispositif. Normalement, d'habitude, le patient, il peut aller voir son psychologue de façon libre. J'ai beaucoup de patients qui ne voient pas leur médecin et qui ne souhaitent pas dire à leur médecin qu'ils sont suivis par un psychologue. Là, ils sont obligés de demander l'autorisation à leur médecin. Si le médecin considère qu'il n'y a pas lieu, qu'ils n'ont pas besoin d'aller voir les psychologues, ils ne seront pas remboursés dans leurs soins psychologiques.
Il y a ça, ça c'est une vraie entaille dans notre déontologie, clairement. Après, pourquoi c'est au médecin finalement de faire l'évaluation psychologique? Clairement, je vais juste continuer sur cette liste de critères d'exclusion, hein, le deuil compliqué, il faut avoir un trouble alimentaire, il faut avoir il ne peut pas avoir de tentative de suicide par le passé, il ne peut pas avoir d'idéation suicidaire, d'idée suicidaire. Être autiste, hein, un autiste ne peut pas entrer dans ce dispositif. Un arrêt maladie pour dépression, donc ça veut dire que si quelqu'un présente est en arrêt maladie et que cette cause de cet arrêt de maladie, c'est une dépression, il ne peut pas entrer dans ce dispositif. Continuons la liste, hein, c'est juste extraordinaire. Il peut avoir un mésusage des drogues. Donc, c'est ça, dans le terme. Mais pas une dépendance. Mais pas une dépendance. Ça veut dire qu'un patient peut nous voir seulement s'il ne sait pas comment ça fonctionne une drogue, seulement s'il ne sait pas que l'héroïne est une drogue, mais par contre, s'il est dépendant de l'héroïne, il ne peut plus entrer dans le dispositif. La liste est longue, ça continue. J'aurais aimé compléter. En fait, on est dans une période particulièrement difficile pour la santé mentale. Avec toute la crise sanitaire, avec le contexte mondial, hein, on pourrait aller loin, mais changement climatique, guerre, etc. En tout cas, on est dans un contexte qui est défavorable à la santé mentale. On voit bien qu'il y a des situations qui s'aggravent. On voit bien qu'il y a des situations qui tenaient et qui ne tiennent plus pour les personnes, pour les familles, pour les enfants. Et ce qui est déplorable, c'est que dans une période de forte demande de psychologues, parce que le dispositif a tout son sens, si on le prend en compte sous l'angle de faciliter finalement l'accès aux psychologues pour les plus démunis. Malheureusement, et ce qui est important à comprendre à la fois pour les psychologues, mais aussi pour les patients potentiels, c'est que le dispositif tel qu'il a été proposé n'est profitable finalement ni aux patients, parce qu'il y a trop de critères d'exclusion, ni aux psychologues, parce que ça ne respecte ni nos méthodes de travail, ni la qualité du travail fourni, ni la quantité de travail fourni, ni nos compétences au final. Et on se retrouve en fait avec un dispositif bancal qui aurait certainement pu être proposé autrement. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie nécessité en fait de faciliter l'accès aux psychologues, mais ça n'a pas été fait avec la profession. Voilà. Aujourd'hui, messieurs, dames, aujourd'hui, dans votre profession, comment on pourrait faire pour que cela soit corrigé? Qu'est-ce que vous attendez, quoi? Qu'aimeriez-vous? Alors, y a un point en plus qu'on n'a pas abordé, qui va aussi un petit peu dans ce sens-là. Pour rebondir jusque-là, améliorer, c'est déjà pouvoir améliorer l'accès. Faire confiance aux psychologues. Il y a d'autres pays où le passage par le médecin n'est pas une obligation. On peut faire confiance, sachant que le psychologue est un professionnel qui sait aussi parler avec les partenaires. Donc si l'état de santé d'un patient accroît à un moment donné pendant la thérapie et qu'il a besoin d'aller voir un psychiatre, le psychologue déjà le repère et peut l'orienter, et ensuite il peut rester en contact avec. Si la personne a besoin d'être hospitalisée et a besoin d'être suivie en centre médico-psychologique, alors là aussi avec une équipe où il y a assistante sociale, infirmier, psychiatre, etc. C'est pareil, les psychologues libéraux peuvent aussi échanger avec ces équipes. Or là, on a tendance à cliver parce qu'il y a d'un côté les psychologues libéraux qui prennent en charge, qu'il ne faut pas en fait de psychothérapie. Dans la loi, il est marqué qu'ils font de l'accompagnement psychologique. Mm-hmm. C'est pour ça que les troubles sont dits légers et ils ont été jusqu'à dire ben, le psychologue fait de l'accompagnement psychologique. Mais quand la personne est en demande et qu'elle ne sait pas vraiment pourquoi. Moi, avant de travailler en libéral, j'ai travaillé justement aussi en CMP. Et qu'on reçoit des personnes qui viennent nous dire, moi, voilà, j'ai une angoisse, je ne sais pas trop ce que c'est. Des fois, on s'aperçoit qu'au premier abord, il s'agit d'événements ponctuels de la réalité quotidienne. Mais quand on creuse un peu, parfois, on se rend compte que ça réveille des traumatismes plus anciens. On a commencé 2-3 séances avec la personne, et la personne, finalement, se rend compte qu'il y a plus loin, il y a plus long à travailler. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Des fois, ça fluctue au cours même des séances. L'état de la personne varie parce qu'un travail sur soi, ça demande aussi, ça demande quelque chose, ça peut venir réveiller des choses. Donc, ce n'est pas juste de l'accompagnement qu'on fait. C'est une vraie psychothérapie. Et ça, on ne le sait pas à l'avance, en fait, ce qu'on va faire. Le travail qu'on va faire avec quelqu'un, on peut avoir des grandes lignes, on peut avoir une idée générale. Mais on est souvent surpris au fait, au fur et à mesure. C'est normal, ça fait partie de la thérapie. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la rémunération des psychologues pour faire ce travail, elle est deux fois moins élevée que le tarif habituel. Donc le tarif habituel, généralement, c'est autour de 60 euros. Ça peut varier entre 50 et 60 euros, la consultation. Euros, on est sur Paris. Pardon ? 5 euros quand on est sur Paris. Oui, je parle du tarif Guadeloupe. Hein, voilà, du tarif en Guadeloupe, mais c'est vrai que ça peut même être plus cher ailleurs. Généralement, je dis bien généralement, mais généralement, les psychologues prennent 3 quarts d'heure, 1 heure, le temps, parce qu'en effet, il y a quelques méthodes, quelques psychologues qui vont faire des séances parfois plus courtes, mais c'est pareil, ça va dépendre de la relation avec le patient. Mais généralement, c'est 3 quarts d'heure, 1 heure, parce que le temps que le patient se mette en confiance, que lui-même, il accède au matériel qui est enfoui au fond de lui, ça prend un petit peu de temps. Quand les émotions le submergent au bout d'un quart d'heure de séance et qu'il est soit dans un état d'angoisse ou soit dans un état de débordement émotionnel, qu'il pleure, il faut prendre le temps aussi de l'apaiser. Il faut prendre le temps de travailler, puis de l'apaiser. Or, en étant rémunéré 2 fois moins, donc 30 euros, hein, c'est 40 euros la première séance de bilan et 30 euros les suivantes, sachant que c'est 30 euros, mais pas pour un salarié, c'est 30 euros de libéral. Donc, ça veut dire que le psychologue a ses charges dessus. Donc, imaginez que pour pouvoir avoir le même revenu qu'avant, il faudrait, c'est mathématique, il faudrait que le psychologue voit en 1 heure 2 patients. Donc ça fait des tranches de 1 demi-heure, et dans les 1 demi-heure, il faut donner le rendez-vous et remplir une feuille de soins. Donc c'est là la différence. C'est vrai que à un moment donné, il y a eu de discussions avec la sécurité sociale et avec les médecins, et à un moment donné, il est revenu que c'était compliqué d'être rémunéré, d'être remboursé plus qu'une consultation médicale spécialisée. Sauf que le psychologue et le médecin ne font pas le même travail. Ce sont des travaux qui se complètent. Nous sommes complémentaires, mais nous ne faisons pas le même travail. Donc, même si un médecin prend le temps d'écouter son patient, le psychologue aussi. Et lorsque le médecin déborde sa séance, qui est généralement programmée peut-être autour de 20 minutes, lorsque parfois le médecin déborde, il faut savoir que le psychologue, c'est pareil. Moi, il m'arrive là, en libéral, que des fois, des séances, pour X ou Y raison, eh bien, elles font 1 heure et demie. Parce que le patient, sur le moment, voilà, il y a des choses qui se jouent, ou alors parce qu'aussi on reçoit des couples, on reçoit des familles, donc ça prend plus de temps. Donc là aussi, on ne va pas regarder notre montre et puis dire au revoir comme ça en plein milieu d'un échange. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui forcément a freiné les psychologues, la rémunération. Mais elle a, il faut bien comprendre, il faut que la population comprenne que ça a un impact aussi sur la qualité des soins qui vont être proposés. Alors aujourd'hui, qu'avez-vous décidé avec l'association des psychologues de Guadeloupe, où vous vous réunissez de temps en temps, où vous travaillez là-dessus, où vous portez une réflexion tous ensemble? Vous en êtes où de ces échanges que vous avez déjà eus et de cette problématique qui est bel et bien présente? Oui, alors en tant qu'association des psychologues de la Guadeloupe, on a une mission d'information et de défense de la profession. Donc c'est vrai que quand il y a des éléments comme ça qui viennent mettre en péril notre façon de travailler, c'est le moment de se regrouper, de se fédérer, de réfléchir ensemble et de savoir comment on se positionne. Donc par exemple, dans les actions passées, on a largement relayé les mobilisations en Guadeloupe. Là, pour l'avenir, le 12 mai, par exemple, on a une conférence visio qui est réservée aux adhérents de l'association. Donc, j'invite les psychologues qui nous regardent à adhérer à l'association, d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment un moment important pour la profession. Donc, on va vraiment aller vers de l'information,
que chaque psychologue comprenne bien les enjeux de ce dispositif, les enjeux que ça engendre pour les personnes qu'il va rencontrer, puisse prendre sa décision en âme et conscience, hein, parce mm-hmm. qu'on ne va pas blâmer non plus les psychologues qui adhèrent à ce dispositif, mais bien maîtriser tous les enjeux et savoir ce que représente une mobilisation générale dans la possibilité de faire les choses changer. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre échange ce soir. J'aimerais bien passer la parole à chacun d'entre vous pour que vous puissiez rajouter ce que vous avez besoin de rajouter, ce que le plus grand nombre doit entendre ce soir. Monsieur Lacavé. Alors, je voudrais dire à tous les professionnels qui nous écoutent de faire tout simplement comme si ce dispositif n'existe pas. Pourquoi ? Parce que les patients, ils peuvent être remboursés. Les soins psychologiques peuvent être remboursés, ils le sont déjà par les mutuelles. Hein, un montant décent, hein, c'est le tarif normal qui est remboursé. Deuxième chose, quand un patient ne peut pas être remboursé, les CMP existent. Hein, cet argent qui a été injecté dans ce dispositif, il aurait très bien pu être inséré dans les CMP. Donc, on peut faire autrement, ils auraient pu faire autrement, et autrement, ça existe, ça s'appelle le CMP. Deuxième chose, il faut de dire que tout simplement, c'est déjà ça. Hein, c'est déjà ça. Les patients, ils peuvent quand même accéder, avoir accès à un psychologue. Non. Dans le dispositif, c'est 1 000 psychologues sur toute la France qui ont été retenus. Nous sommes à 78 000 psychologues libéraux en France. Donc, bonne chance pour trouver un psychologue qui rentre dans ce dispositif. Troisième chose, tout simplement, voilà, restons mobilisés. Clairement, c'est inacceptable ce qui nous arrive là. Madame Bayeux. Oui. Moi, je reviens aussi sur le fait que ce dispositif, dans le décret que j'ai lu, il a été, dont je vous ai parlé, il était mentionné un accompagnement psychologique. Et il a été dit, dans quelques cas à évaluer, ça peut être éventuellement une psychothérapie brève. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que psychothérapie brève, c'est un terme qu'on utilise pour parler d'une certaine méthodologie. Mais ça ne veut pas dire que c'est bref en durée. On a eu l'impression là que ceux qui ont les législateurs n'ont pas fait une analyse de texte vraiment. Voilà, ils ont pris les mots pour thérapie brève. Bah oui, c'est bref comme ça. Bon, bah ça coûte pas cher, ça vous allez aller vite. C'est pas comme ça que ça marche. Mais ça donne aussi une orientation. Et moi, ça me soucie parce que finalement, ça touche aussi à nos méthodes et donc aussi à notre autonomie. À notre autonomie pour travailler, mais aussi du coup pour accompagner les personnes. Et en ça, ça atteint notre éthique parce que nous devons, nous, accompagner les personnes à gagner en autonomie de pensée et pas en orientant pour aller vite. C'est ça qui est compliqué. Et puis peut-être juste préciser, CMP, ça veut dire centre médico-psychologique. Et il faut savoir qu'il y a donc des psychologues, c'est dans le domaine de la psychiatrie, hein, mais c'est pour accueillir tout le monde. Et il faut savoir que les postes de psychologues sont en perdition, c'est-à-dire qu'il y a des remplacements qui ne sont pas faits et qu'en effet, tout l'argent qui est mis dans ce dispositif pourrait permettre d'embaucher de nombreux psychologues pendant plusieurs années. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec Jonathan sur ce fait-là. Merci à vous d'être venu. Et puis, si vous avez le besoin de nous expliquer des choses une prochaine fois, n'hésitez pas. Votre émission Santé 10 vous recevra sans problème. Belle soirée à vous. Nous allons marquer une courte pause et revenir juste après avec Madame Keïta et Madame Brard. Nous voilà de retour dans votre émission Santé 10 pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission. Sachez qu'aujourd'hui, l'émission était un petit peu particulière puisqu'en première partie, nous avons échangé avec les psychologues de Guadeloupe sur le dispositif Mon Psy. Non, ils n'ont pas très contents, ils n'ont pas très d'accord, ils ont expliqué le pourquoi du comment, n'est-ce pas? Et en deuxième partie, nous sommes avec Madame Nadia Keïta et nous sommes aussi avec Madame Brard, Daniel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi 5 mai. Ah ouais. Nous en avons parlé jeudi dernier de cette grande journée mondiale des sages-femmes. Vous aviez un programme très alléchant et on avait promis aux téléspectateurs de faire un petit peu le bilan
de cette journée. Mesdames, bonsoir et merci à vous d'être là, puisqu'après vraiment une journée aussi mouvementée, vous avez quand même fait l'effort de venir sur le plateau de Canal 10 pour nous dire un petit peu comment ça s'est passé cette journée. On va commencer avec vous, Nadia Keïta, bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors on va voir, hein, pendant que vous nous parlez, on va voir quelques photos de cette matinée du côté... Même cette journée. Et même journée, hein, du côté de Bemao, du côté d'Estreland. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. On a vraiment eu un bel accueil sur place, beaucoup de questions, beaucoup de questions, on était là pour ça, et de la part de femmes, de la part d'hommes aussi, qui sont venus discuter avec nous, échanger. On a eu vraiment des questions de toutes les générations. Donc, y a eu un bel accueil, c'est comme si finalement ils attendaient ça. Au début, c'était un petit peu, quand ils venaient vers nous, c'était un petit peu timide. Et finalement, les questions en amenaient d'autres. Et je crois que ça montre quand même l'importance de parler un peu plus de tout ce domaine qui a trait à l'intimité. C'est vraiment le constat qu'on a fait aujourd'hui. Et puis, la méconnaissance. Ah, vraiment Ah, mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Et c'est vrai que ça montre à quel point cette action, elle était nécessaire. Et puis, vous avez surtout beaucoup eu du plaisir à voir des personnes de toute génération, puisqu'il y avait des jeunes, il y avait des personnes d'un certain âge. Et ça, je sais qu'au début, vous aviez un petit peu un point d'interrogation sur cette partie, se dire, mais est-ce qu'ils ont vraiment compris que, bon, ben, qu'ils peuvent venir en famille déjà et qu'on peut répondre aux interrogations des parents, mais on peut aussi parler avec les adolescents et les adolescentes surtout. Et puis, les personnes de certain âge en préménopause ou même à la ménopause déjà. Et là, vous avez eu On a eu des mamans avec leurs jeunes filles, des mamans avec leurs jeunes garçons, des tontons avec leurs nièces qui venaient comme ça. Alors, certains étaient venus exprès pour la journée, d'autres qui venaient au hasard en faisant une course et qui étaient très contents finalement de pouvoir poser des questions. Et c'est très intéressant parce qu'on avait tout un tas de fascicules et les parents prenaient les fascicules questions d'ado, mes premières fois, etc., pour donner à leurs enfants. Donc c'était assez touchant de voir ça. C'est aussi touchant effectivement tout le volet d'après ménopause. On sent qu'elles avaient envie de parler. Alors il y en a qui parlaient de la sexualité, qui disaient on fait comme si on n'avait plus de sexualité à partir d'un certain âge. Personne n'accepte qu'on puisse en avoir une. Comme si c'était tabou, en fait. Il y a eu vraiment envie de partager ça. Juste une parenthèse, on a eu l'occasion dans Santé 10 de parler de la sexualité de nos aînés, carrément, puisque c'est un sujet tabou, comme on vient de dire. Et puis on a eu l'occasion d'en parler. Et on aura bientôt, durant le mois de juin, un deuxième volet sur la sexualité de nos aînés. Super. Voilà. Vraiment, je pense qu'ils en sont heureux. Ils démystifient ça. Démystifier. C'est beaucoup de tabous, en fait. Beaucoup de tabous autour du corps, autour de l'intimité, de la vie de femme. Et je pense que le fait que vous fassiez des émissions comme ça qui lèvent les tabous, ça fait sortir les gens de l'isolement. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument important et nécessaire. En tout cas, on vous voit heureuse de cette journée. Beaucoup de femmes enceintes aussi qui sont venues. Beaucoup de femmes enceintes qui sont venues échanger un petit peu sur ce qu'elles vivent. Il y avait des sages-femmes de tous les modes d'exercice. Donc, vraiment, ça a été très complet. Voilà. Madame Brard, Danielle, qui elle aussi est heureuse, puisque visiblement, ça s'est bien passé dans l'eau, n'est-ce pas ? Je suis comblée.
mais comblée. C'est une Alors, première. C'est vrai qu'on avait parlé avec vous jeudi dernier de ce que c'était le longe-côte marche aquatique. Et aujourd'hui, ça a eu un succès fou. On va, hein, pendant que nous parlons, Yann, à la réalisation ce soir, à qui on dit merci, nous montre en même temps quelques images. Et vous pouvez, hein, vous pouvez nous dire comment ça s'est passé et puis même commenter les images que Yann va nous diffuser pendant, pendant cette émission ce soir. Quelques chiffres. Sur 21 personnes inscrites, 16 sont venues et les autres se sont excusées qu'il y a eu un problème de circulation. Et ces personnes habitaient entre Petit-Bourg et Gosier. Et les termes de grossesse, entre 6 semaines de grossesse, donc un mois, et 5 mois et demi. Donc on avait de tous les termes. Et là, c'était comblé. Le beau temps y était. Le beau temps. Mais il y a une petite houle. On rappelle que c'était du côté de la Datcha. À la Datcha, au Gosier. On regarde comme la mer est belle. La mer est belle. Il y a un beau temps, pas de pluie en prévision. Des gens heureux et surpris en même temps. Alors c'est possible. On rappelle que ce sont des images d'amateurs, hein, des personnes qui étaient là, qui nous ont ramené quelques images. Yann va nous les mettre en petit, juste à côté de Madame Brard, pendant qu'elle sage-femme. Pendant qu'elle nous explique un petit peu ce qui est en train de se passer. Alors là, c'est la Alors là, maintenant, marche. C'est la démarche. Alors là, c'est une... On met en place la... Comment ça, c'est la mise en... J'oublie le terme. C'est la démonstration du pas de longeur. Donc là, on marche, mais les bras, on ne fait pas marcher les bras, que les jambes. Avant de marcher, comment on utilise les jambes, ensuite on met les bras. La démonstration du pas de longeur. Donc on apprend déjà sur le sable, puis, parce qu'il y a le ventre, et puis on va dans l'eau, et on apprivoise son ventre, son pas dans l'eau. Et après, on met les bras. Vous allez voir tout à l'heure, on met les bras. Pour l'instant, on marche, on s'échauffe, on marche les bras derrière, et la jambe, on lève bien, on dit ça, on pose. Vous voyez que toutes les lames sont penchées, parce qu'on ne marche pas dans l'eau comme on marche debout. Il faut se pencher. Et je vais rappeler, vous voyez bien, vous voyez toujours le buste, il faut quand même que l'eau n'arrive pas plus haut que les aisselles. Donc le ventre frôle l'eau et elles avancent. Ah, vous savez que tout, vous regardez leur mine, c'est vraiment pas un niveau de face, c'était le contrat de départ, mais le corps d'un dimanche, je ne dis pas qu'on est embarrassé. Alors, Madame Brard, aujourd'hui... Elles sont très à l'aise, hein, mes petites dames. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une activité que vous mettez en place et qui a pour objectif d'être une activité régulière à proposer à ces dames enceintes. Comment ça va se passer à partir de cette journée qui s'est bien passée? Est-ce que c'est on va retrouver, hein, une mise en place une fois par mois ou deux fois par semaine? Comment cela va se passer pour la suite? En fait, le longe-côte est de nouveau en Guadeloupe, donc c'est une façon pour nous de faire découvrir le longe-côte à différents corps stades de la vie. La femme enceinte, je suis sage-femme. Quoi de mieux que d'avoir une sage-femme animatrice pour pouvoir présenter ça aux femmes enceintes et montrer à la population de Guadeloupe qu'on peut être enceinte et avoir une activité physique dans l'eau, à la mer, qui ne soit pas de l'aquagym. Bon. Mais en fait, ce que nous voulions surtout, c'est montrer que la femme enceinte, elle a droit à une activité physique adaptée. Ça, c'était le longe-côte, mais il y a la gym, il y a le fitness, il y a la rando santé, il y a d'autres activités. Et en même temps, interpeller sur le fait qu'on a besoin d'animateurs formés de d'autres disciplines, on a besoin d'espaces sécurisés pour que non seulement les femmes, mais toute la population puisse avoir une activité physique, parce que c'est important. Nous avons une population qui est physiquement peu active. Nous avons des soucis. Je dirais pas de problème, ça n'existe pas. Des problèmes, je dirais que ça n'existe pas, c'est des solutions. Comme les Chinois, il n'y a pas de problème, c'est des solutions. Nous avons des préoccupations au niveau du diabète, d'hypertension, du surpoids, et l'activité physique vient comme un premier traitement dans la prévention et un adjuvant dans le traitement, dans la thérapeutique. Donc, quoi de mieux, une femme enceinte, elle est très sensible aux informations durant la grossesse, l'occasion de lui faire découvrir ça, sensibiliser aux autres et nous de dire à ceux qui ont le pouvoir, donnez-nous les moyens de travailler, les moyens de pouvoir aider les gens à être en santé, arriver avant la pathologie.
Alors, on a bien compris que cette journée mondiale des sages-femmes a connu un succès chez nous en Guadeloupe, que ce soit du côté de l'information à distribuer, à partager durant toute cette journée à Bemao, ou encore l'activité physique adaptée du côté de la Datcha au Gosier. On a un petit peu de temps, on a parlé de cette journée, on a vu que c'était une réussite. On a un petit peu de temps. Moi, j'aimerais vous proposer, mesdames, qu'on puisse parler de deux sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder jeudi dernier et qui semblent tabous chez nous. Je parle, Madame Keita, des fausses couches. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est souvent très tabou et nous devons finalement en parler parce qu'on doit informer. Oui, parce que c'est une période de vie qui génère beaucoup de souffrance. Et une souffrance que l'on vit seule, souvent. Et c'est important d'en parler parce que c'est souvent associé à de la culpabilité, à de la peur aussi, des sentiments, bien sûr, de déception. Quand elles vivent une fausse couche, elles se disent « Mais est-ce que c'est mon corps ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est de ma faute ?» Donc elles s'en veulent. Elles se disent que elles ne sont pas à la hauteur, elles sont peut-être pas en capacité d'être mère. Elles ont peur que ça se reproduise. Donc il y a vraiment tous ces sentiments-là autour de la fausse couche. Et le fait d'en parler, ça permet d'en parler déjà, ne serait-ce que dans nos cabinets, et maintenant le faire auprès du grand public. Souvent, ce qui leur fait du bien, c'est de leur dire, mais vous savez, des fausses couches, c'est plus de 15% des grossesses. Juste le fait de donner un chiffre, ça leur fait réaliser que ah ok, ça ne m'arrive pas qu'à moi, parce que c'est un phénomène aussi naturel, la fausse couche. Mais comme on n'en parle pas, on a l'impression que ça n'arrive qu'à soi. Donc non, la fausse couche, c'est très bien d'en parler. Parce que, alors déjà, je pense que au niveau des structures qui prennent en charge la fausse couche, il y a très peu de temps pour cela. Donc, très souvent, les patientes... Mais ce sont vous, sages-femmes, qui prenez le temps d'en parler et de rassurer vos patients. Mais parfois, avec malheureusement le manque d'effectifs, sur le moment où elles vivent la fausse couche, il y a le diagnostic. Mais c'est difficile de trouver le temps de l'accompagner. Donc souvent, les femmes, les couples sortent de l'hôpital. Ok, on a le diagnostic qui est posé. On est en train de faire une fausse couche. Et on rentre chez soi, comme ça. Et là, c'est la sensation de vide, la sidération. On ne peut pas en parler, c'est compliqué. Donc c'est souvent un moment qui est souvent traumatisant. En plus, parfois, il peut être associé à des gestes chirurgicaux. Et donc, tous ces passages-là sont vécus difficilement. C'est pour ça que c'est là le message à passer, c'est de dire on peut en parler aussi a posteriori. Ça permet déjà de libérer un petit peu les émotions. D'évacuer. Exactement. De mettre des mots. Ça permet aussi souvent d'accompagner le couple. Parce que lors d'une fausse couche, tout le monde, dans le couple... Chacun ne vit pas les choses de la même manière. Et ça amène souvent des tensions. Donc c'est aussi permettre de comprendre qu'on peut vivre le même événement, être en souffrance par rapport à ce même événement, mais ne pas l'exprimer de la même manière. Et puis ça permet aussi de pouvoir amorcer le travail de deuil, le fait d'en parler. Parce que c'est un deuil, c'est un véritable deuil, mais qui est comme illégitime. Parce que, comme il n'y a pas eu naissance, c'est comme si l'enfant n'avait pas existé. Bien sûr qu'il a existé, parce qu'il a été désiré, il a été pensé. On fait des échographies aussi très tôt maintenant, donc ça concrétise en plus ce désir-là. Donc il y a vraiment cette sensation de deuil à faire. Donc on va conseiller, par exemple, de donner un prénom, on va donner vie à ce qui s'est passé, parce qu'il y a
toujours quelque chose que l'on apprend de ce bébé qui était là, de cet embryon, mais vraiment, dans le schéma des parents, c'est un bébé. Donc, il faut vraiment le considérer. Et souvent, dans l'entourage, la réponse qui est dite quand c'est su, c'est « Oh, mais tu es jeune, t'en feras d'autres. » Voilà. Ça, c'est on banalise, en fait, ce deuil-là. On le banalise. Donc, c'est vraiment important d'entourer ça. Alors, nous, on le retrouve aussi quand ça n'a pas été fait sur le moment. On le retrouve très souvent dans les grossesses qui suivent. On sent que c'est quelque chose qui les a marquées. Elles reparlent beaucoup de la fausse couche qu'elles ont vécue. Parce qu'elles craignent aussi, elles ont peur, elles ont... Oui. Voilà, et puis elles n'en ont pas parlé suffisamment pour se rassurer. Donc tout ça pour vous dire que là aussi, eh bien vous pouvez toujours vous rapprocher d'une sage-femme qui va vous conseiller, qui va vous accompagner parce que autour de vous, il n'y a peut-être pas l'oreille qu'il faut et les conseils qu'il faut pour surmonter cette épreuve. La deuxième chose J'ai dit quand même deux petits mots. C'est vrai que la fausse couche, c'est difficile à prendre en charge parce qu'on considère que c'est avant 12 semaines, d'accord? Les personnes ne parlent pas de la grossesse. Donc, comment parler de la fausse couche? C'est un choc, c'est un échec. C'est un choc. Comment aller dire qu'on a vécu ça? On n'en a dit à personne. Et ça peut durer 4 mois comme ça. Donc, ils quittent l'hôpital, ça va vite, 24 heures. Le travail, peut-être 15 jours après, la vie continue avec ce boubou-là. On n'est pas guéri de ça. Et puis, la grossesse d'après arrive peu de temps après. Mais on a 4 mois, en gros, en moyenne, pour pouvoir exprimer ça. Mais c'est zappé. Et dans les recommandations, autant il y a des recommandations pour le deuil périnatal, le fœtus, mais pour ça, non. Or, c'est peut-être pas la même souffrance, mais c'est quand même une souffrance. Mm-hmm. Et elle est fonction de la personne qui est là, son histoire, son histoire familiale. Et là, c'est pas pris en compte. Et prendre ça en compte, il faut qu'elles sachent qu'elles peuvent consulter pour discuter avec quelqu'un, déjà, qui va l'orienter. Mais c'est pas reconnu vraiment, et c'est une vraie souffrance. Et c'est un départ d'une famille. C'est un des éléments, si je peux me permettre, qui fait qu'au début, on appelait l'entretien prénatal, on l'appelait l'entretien du 4e mois. Aujourd'hui, on l'appelle l'entretien prénatal précoce. Parce qu'on recommande vivement de le faire très tôt, au premier trimestre, parce que c'est justement là qu'il y a, entre autres, ces réminiscences du vécu antérieur par rapport aux fausses couches qui peuvent venir générer des peurs et être accompagnées d'un professionnel médical et à la fois à l'écoute, ça peut contribuer à les rendre plus sereines. Alors, c'est la première chose sur laquelle je voulais revenir. Et puis, il y a une deuxième chose, Madame Brard, c'est sur l'activité physique adaptée et l'après-ménopause et la ménopause, puisque là aussi, il y a quelque chose à faire. Absolument. Alors, il y a deux problèmes. La ménopause, déjà, c'est quoi? La préménopause, c'est quoi? Et le rôle de l'activité physique dans tout ça. Bon. Alors, il faut savoir, moi je dis que la vie d'une femme, c'est comme la journée. Le soleil se lève, on voit les premières lueurs du jour, le soleil se lève, il chauffe, il y a à midi, 15 heures. Donc c'est l'enfance, l'adolescence, la période génitale active. Et puis on arrive vers 16 heures, 17 heures, le crépuscule, la préménopause, donc 45 ans. Et ensuite, je dis 19 heures, 19 30, le soir, c'est la ménopause. De la même façon qu'on n'a pas les mêmes activités au début de la journée qu'à la fin, on sait qu'on va avoir, la nuit, le soir et des activités autres, ça se prépare. Ça se prépare. Et dans l'histoire de la femme, on a décidé, dans le fonctionnement, on a décidé que la vie s'arrête à la fécondité. Donc ça veut dire que si tu ne peux pas avoir d'enfant, à la limite, tout le monde disait, la fécondité, sa sexualité n'existe pas non plus. Oui, or, en fait, il faut revisiter cette affaire-là. Pour revisiter ces affaires-là. Ensuite, l'activité physique, la ménopause entraîne beaucoup de troubles genre stress, anxiété, dépression, prise de poids. Plus de poids. Plus on a dit que cela, les bouffées de chaleur et
Tout ça, ce sont des signes, une fois que le médecin a éliminé une cause éventuelle, soit génétique ou médicale, il reste les éléments naturels, les lois de la vie. Et l'activité physique régulière, je dis bien régulière parce que les sportifs du dimanche, ce n'est pas le même effet, vient comme, comme un médicament, sinon le médicament. Je dirais le médicament en prévention et un médicament adjuvant du traitement médical. Alors, mais ça veut dire que depuis l'âge de 30 ans, 20 ans, on est actif physiquement. Et les recommandations de l'OMS, c'est 60 minutes d'activité physique par jour pour les adultes et pour les enfants. Et pour les enfants, ça veut dire que si la petite fille, très tôt, elle a une activité physique régulière qu'on va adapter, c'est-à-dire qu'elle peut aller à l'école à pied ou il faut bouger, beaucoup d'inconfort, je ne dis pas de problème, beaucoup d'inconfort de la préménopause, de la ménopause seront vécus autrement parce que, un, s'ils en sont à ce niveau-là, c'est qu'ils savent que la santé, c'est le résultat de ce qu'on aura fait de très jeune. Et deux, on sait que si on a commencé par s'épanouir de certaine façon à l'aube de la vie, on va s'épanouir autrement au soir de la vie. Et on va adapter sa vie, on va revisiter, il faut changer de style de vie et recréer sa vie, la réadapter. Et sa sexualité avec. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Oui, c'est très clair. Non, mais c'est vrai que c'est une période en plus qui amène plein de transitions. Elle est corporelle, oui, elle est hormonale, mais il y a aussi souvent, c'est associé à ce qu'on appelle le syndrome du nid vide avec les enfants qui quittent le foyer. C'est souvent un moment où il y a un nouvel élan, finalement. Il y a une période un peu délicate, un peu difficile, parce que c'est une période de bouleversement. Et en même temps, souvent, on peut trouver justement un nouvel équilibre. Et c'est vrai que, notamment, l'activité physique peut contribuer à cela. Tu dis, on peut. Notre culture, c'est pas on peut. Il faut que les gens sachent qu'ils le sachent, qu'ils peuvent. Il faut réinventer sa vie. Il faut pas vouloir vivre à 60 ans comme tu as vécu à 15 ans, à 20 ans. Tu as autre chose, tu as d'autres, tu as une sagesse, tu as des expériences qui ont été négatives. Et tout change. Oui, tout change et tu peux porter. Soi. La vie change, le corps change, tout ce qu'il y a autour change, la vie familiale change, les enfants quittent la maison, comme on vient de dire. Tout change, donc il faut s'adapter. Et puis parfois se réinventer un petit confort et une vie. Exactement. Et dans ce petit confort et cette vie, il y a forcément l'activité physique régulière. C'est le mot de la fin, chers téléspectateurs. J'aimerais vous dire merci. Merci d'avoir suivi votre émission Santé 10. Merci de votre fidélité. Merci à Yann à la réalisation ce soir. Et puis nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain. Même lait, même télé, Zoja Colette. Merci. Yes.